avoir des détails sur ton roman? Oui, bien, on est rendu à l'étape de la reconstruction. Il y a les poutres qui ont quand même été sauvées là, suite au dernier incendie. Donc, on s'apprête à reconstruire et on va s'inspirer de l'ancien modèle. On veut se rapprocher le plus possible du modèle original. Là. Donc, ce sont les plans. Combien ça va coûter? Le montant du... on pourra vous le donner, là, je ne l'ai pas dans mes notes, mais il y a un appel d'offres qui a été fait. Quelles sont les mesures qu'on a intégrées dans ce nouveau pont-là pour prévenir peut-être des incidents comme on a connu? Il y a des choses que vous savez déjà qui ont été annoncées, c'est-à-dire qu'il y a des caméras qui ont été installées, et vous comprendrez que je vais me limiter à ce commentaire-là. On n'indiquera pas publiquement comment nos caméras fonctionnent, mais soyez assurés qu'on a pris des mesures pour sécuriser les lieux, non seulement pour cette structure-là, mais celles aussi qui sont avoisinantes sur le site de la ferme Dalton. Donc, ça va coûter plus cher que les autres ponts, probablement? Il est plus sécurisé? Il y a des différences? Ça dépend comment le marché va réagir. Évidemment, c'est un appel d'offres. Donc, nous, on a fait une estimation des coûts et je ne l'ai pas dans mes notes, à savoir la hauteur de l'estimation. Mais évidemment, on ne sait jamais comment le marché réagit là-dedans. C'est un appel d'offres, donc on va voir. Et est-ce que les assurances, parce qu'après l'incendie, il y a eu les assurances qui ont remboursé un certain montant, est-ce que ça couvre la reconstruction? Là, vous rentrez dans du détail là, que je n'ai pas. Je vous demanderai de communiquer avec le service de communication pour obtenir les réponses à vos questions plus pointues. Est-ce que vous savez si l'appel d'offres comprend aussi la démolition, parce qu'il est encore... les ruines sont encore là, est-ce que je sache? Ça inclut la démolition du site, là. Les mesures de protection, ça va viser ce pont-là et les autres ponts aussi? Oui, effectivement. Il y avait déjà eu des mesures de protection sur d'autres ponts? Bien, les mesures de protection qui ont été faites, évidemment, là, je vais revenir aux commentaires que j'ai fait tantôt. Là. Permettez-moi de ne pas préciser les mesures de protection. Là. On ne veut pas non plus... Mais c'est des caméras, là. Il y avait des caméras? Effectivement, c'est des caméras. Bon. Mais ça n'avait pas fonctionné. Il y avait eu des caméras sur un ancien pont, puis ça n'avait pas fonctionné. Donc, est-ce qu'on répète essentiellement la même chose qui n'avait pas fonctionné dans le passé? Bien, écoutez, c'est certain qu'après deux incidents, on va être plus vigilants puis on va resserrer les mesures de contrôle, là. C'est certain. Maintenant, j'insiste sur le fait que je ne peux pas aller plus loin que ça dans les explications. Quel est l'échéancier visé pour le début des travaux? Je ne l'ai pas, là. Je viens d'apprendre ça tantôt, là. Il y a 10 minutes, là. Ça fait que si vous avez des questions pointues, posez-les au service des communications. Pourquoi c'est si important de la construire une troisième fois? À un moment donné, on pourrait dire aussi, peut-être, on l'espère. Bien, écoutez, ça fait partie du patrimoine bâti de ce site-là. Il faut aller sur le site pour voir comment c'est impressionnant. Il y a un grand nombre de bénévoles. Moi, je vous dirais, je le dis souvent quand je parle de ce site-là, c'est presque un exemple à suivre pour les gens qui... veulent se pencher sur les histoires à succès d'engagement communautaire. Et c'est important pour ces gens-là, c'est précieux pour ces gens-là, et c'est un appui de la Ville à dire à ces gens-là, bien, on va continuer, on ne se laissera pas intimider par des événements comme ça. Et c'est un site, c'est un bijou de la Ville, là. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à insister, à démontrer aux gens qui agissent de façon inacceptable, qu'on ne se laissera pas juste intimider par ça. Est-ce qu'il y a une intervention particulière qui a été faite auprès du service de police pour avoir une attention peut-être un peu plus soutenue par rapport à ces infrastructures-là? C'est des sites qui vont être supervisés de façon très attendue, très serrée. Et effectivement, il y a des mesures qui sont prises de façon à essayer d'éviter de revivre des situations malheureuses comme celles qu'on a vécues dans le passé. J'aimerais aborder le dossier du bureau de l'Ombudsman. Est-ce que la secrétaire générale va rester en place jusqu'à la fin de la semaine? Vous pouvez diriger vos commentaires à M. Champagne, là, qui encadre ce dossier-là. Je n'ai pas d'informations fraîches là-dessus.